Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez prévu des choses sympas en ce week-end pascal, sans oublier ce pourquoi nous fêtons la Pâque, hein, s'il vous plaît, c'est important d'y penser. Je ferme la parenthèse, si vous n'avez pas compris ce à quoi je faisais allusion, ben, cherchez. Donc la graine de chia, je voulais vous en parler parce que j'ai découvert cette graine il y a quelques mois maintenant et je ne peux plus m'en passer, j'en mets dans quasiment tout. Dans quasiment tous mes aliments, que ce soit des aliments sucrés ou salés. C'est une graine dont j'aime, alors je ne vais pas vous dire le goût parce qu'il n'y a pas forcément de goût, mais j'en aime la texture, cette petite texture croquante et en même temps cette petite gelée qui se trouve autour de la graine, etc. Ça rend mes desserts tellement meilleurs, tellement plus goûteux, etc. J'en mets dans mes soupes, j'en mets dans mes salades. C'est vraiment une petite graine que j'ai adoptée au quotidien. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu nous en parles? Des graines, on en connaît des tas de sortes, c'est vrai. Le chia, on commence à en parler depuis quelques temps parce que cette graine possède des vertus, les amis, mais des vertus exceptionnelles. À commencer par des vertus sur le plan cardiovasculaire, donc ça va vous protéger les artères, ça va aider également ceux qui souffrent d'hypertension comme moi-même à réguler la pression artérielle, voire même à baisser la pression artérielle. Petite parenthèse importante, les graines de chia, on peut en consommer tous les jours, mais ne dépassez pas les 50 grammes par jour. Par exemple, pour ceux qui font de l'hypotension ou qui ont une tension normale, on va dire, vous risquez de faire baisser la tension trop bas et donc être très fatigué. Donc, c'est simplement ça que je tenais à dire pour ceux qui font de l'hypotension. Pour les hypertendus comme moi, c'est excellent. Alors, c'est vrai que je ne prends pas que ça pour réguler mon hypertension, mon premier régulateur c'est le sport, je crois que je vous en avais parlé, mais la graine de chia m'aide également. Donc voilà pour un de ses avantages, ça va également faciliter le transit parce que la graine de chia est très très riche en fibres. Testez, vous allez voir, testez sur 15 jours par exemple, et puis vous allez voir, vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous vous sentez mieux ou pas. Donc pour l'hypertension, on a dit, pour les problèmes cardiovasculaires, excellent. Pour le transit également, ça va renforcer également les os et les dents. Ça va renforcer les dents et les os pour la simple et bonne raison que c'est très très riche en calcium. Alors là, j'ai l'air de sauter comme une puce, etc. parce que je vous parle d'un produit vraiment exceptionnel. Donc voilà, consommer, c'est vraiment, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ça va hydrater également la peau. Donc c'est tout simple, donc c'est excellent pour les tissus parce que c'est très riche en oméga 3. Et on sait tous et toutes ce qu'apportent les oméga 3. Donc en termes d'hydratation, c'est excellent. Alors, il est dit également que la graine de chia aide à perdre du poids. Ça va aider à perdre du poids, mais faites bien attention à ce que je dis et ne déformez pas mes propos. Ce n'est pas en mangeant des graines de chia que vous allez perdre du poids. Mais les graines de chia, par son pouvoir, si vous voulez, rassasiant, vous allez rajouter ces graines, par exemple, si vous mettez 20 grammes, 30 grammes dans un yaourt ou bien dans votre soupe, etc. Le pouvoir rassasiant sera atteint plus rapidement. Donc, en fait, vous allez moins manger, donc perdre plus de poids tout en ayant tous les bienfaits de cette graine. Donc, il y a d'autres pouvoirs que je n'ai pas encore perçus ou je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Ou c'est peut-être pour ça que je suis comme une puce devant vous. Ça aide en fait à avoir la pêche, c'est simplement ça. Vous avez de la vitamine dedans qui aide en fait à être beaucoup plus endurant au quotidien. Donc, je ne sais pas si c'est ce qui fait que je pète le feu, j'en sais rien. Mais en tout cas, cette graine est vraiment exceptionnelle. C'est une graine qui paye pas de mine. Si vous ne la connaissez pas, elle est minuscule, ridiculement minuscule. La graine de chia va également permettre la régulation au niveau de la glycémie, donc ça va prévenir le diabète, donc ça va en fait en clair vous éviter d'être diabétique si vous en mangez régulièrement, hein.
C'est la régularité qui fait tout. Donc c'est excellent également pour les cellules du cerveau. Donc sur le plan neuronal, c'est excellent grâce aux oméga 3 justement. Donc vous voyez que cette graine est très très riche. Elle est bonne pour la santé et pour beaucoup de nos organes. Ça vaut le coup de pouvoir en consommer régulièrement. En ce qui concerne son origine, elle vient de l'Amérique du Sud, donc des pays de l'Amérique du Sud. Donc je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, hein. Faites vos recherches sur internet. Mais en tout cas, elle vient donc de l'Amérique du Sud et on peut la cuisiner que ce soit salée ou sucrée. Personnellement, je la consomme crue. Ce n'est pas une graine que je vais cuire pour pouvoir garder en fait tous ces bienfaits. Donc je la mets très souvent dans un crumble avec un yaourt, n'importe quel yaourt. Et je vais attendre justement que la graine libère en fait cette petite gelée, cette petite... je vous mettrai une photo, vous allez voir ce que ça donne. Et ça rend le yaourt, le dessert, plus onctueux et plus riche, plus dense. Et c'est ce qui fait justement que vous allez atteindre en fait la satiété plus rapidement. Dans la soupe, c'est clair que vous n'allez pas en prendre le goût. Mais pareil, ça va densifier votre soupe. Et dans la laitue, quand je la mets dans ma salade, en fait, ça garde le croustillant parce que je ne laisse pas le temps à la graine de libérer en fait ces petites particules gélatineuses. Donc ça va rester croquant. Je ne l'ai pas encore testé dans des gâteaux, mais je pense que je mettrai des graines de chia dans le gâteau. Donc ce sera cuit évidemment, mais je pense que ça vaut le coup d'essayer ça. Donc voilà, essayez la graine de chia et puis dites-moi dans les commentaires si déjà vous la connaissez. Si vous avez vu les bienfaits de cette graine, et puis pour ceux qui n'ont pas testé, qui ne veulent pas tester, ben écoutez, dites-moi quand même ce que vous en pensez ou ce que vous n'aimez pas dans la graine de chia. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. En tout cas, je l'espère. Dès que j'ai des plans comme ça, géniaux, je veux les partager avec vous. Donc, j'attends vos retours. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye.